qui remporte cette Coupe Champion. Il a tellement voulu, c'est une juste récompense. Hein. Beaucoup de travail, beaucoup de patience aussi. Et les joueurs qui vont pouvoir maintenant longuement savourer ce succès. Et c'est ce qu'ils font hein, sur la pelouse. Regardez à ces joies, ces scènes de joie collective. Le PSG sur le toit de l'Europe. Et ce grand tourniquet du bonheur en élan dans le rond central. Le PSG qui remporte la Coupe Champion. Dans quelques instants maintenant, les Parisiens vont pouvoir brandir cette Coupe Champion devant leurs supporters. Ah, ils sont heureux. Hein. Ça a été une longue quête, mais quel succès, quel succès. Et le Paris Saint-Germain qui est donc sur le toit de l'Europe avec ce succès en Coupe Champion. Dans un instant, la Coupe qui va être brandie par le capitaine parisien et ses coéquipiers. Voilà, Paris qui remporte cette Coupe Champion. Bravo. Une vraie liesse collective, là, vraiment, tous les joueurs sont... Et les supporters, Pierre, regardez. Ah ouais, donc, magnifique ambiance, ça, magnifique. Ah, ils vont fêter ça jusqu'au bout de la nuit, à mon avis. Alors, c'est le moment du partage, maintenant. Le partage avec le public. Regardez, c'est emparé du trophée, les autres sont derrière. Et ils vont le brandir, le montrer à leurs supporters. Voilà, ils se rapprochent de leur public pour leur montrer qu'ils ont évidemment une grosse responsabilité dans ce triomphe. Ouais, c'est des images qui resteront, bien sûr. Allez, il va y avoir la photo souvenir, Pierre. Voilà. Il faut être bien placé sur la photo, là, si possible. Voilà, alors, ceux qui n'ont pas de goût, tu la retrouveras dans le salon. Ceux qui ont de la dérision, tu la retrouveras dans les toilettes. Et moi, je pensais sur la photo, celui qui est derrière, on le verra pas. Ouais. Le centre, attention. Et l'ouverture du score ! L'ouverture du score ! Le PSG qui combine bien, Marco Verratti. Pas de soucis pour le gardien. Levin Kurzawa. Regardez, il peut vraiment pas empêcher cette balle de rentrer. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Avec un tir. Nous entrons maintenant dans les 20 d'Anna. Le duel avec le gardien maintenant. George Kevin Kudu. Un but tout en finesse. Ah, c'est pas bien joué, c'est pas bien contrôlé. Et Gainers qui... Attention, la frappe.